Et salut tout le monde, on se retrouve pour la suite de Shadow Hearts. Donc je vais passer par là vite fait juste pour voir si c'est verrouillé ou pas. Ouais, c'est verrouillé par une zone verte, ça marche. Donc précédemment, on avait enfin atteint le flotteur, donc j'ai fini les quêtes secondaires. J'ai pas réussi à récupérer l'arme ultime de Yuri. Je n'ai pas réessayé depuis. J'ai vraiment la flemme. C'est ouf. Vous pouvez pas vous imaginer à quel point j'ai la flemme de faire cette quête. Du coup, hop, on va augmenter ça. On va utiliser. Parce que la créature que nous avons en face de nous va être obligée d'utiliser de la mana. Lol. Par contre, ok. Bon, on n'est pas trop mal. Tac, tac, tac. Je vais juste refaire un petit peu. Hop. Voilà, histoire d'être peinard. Parce que là, la créature que nous avons en face de nous, c'est une créature, je sais pas si vous vous souvenez, mais elle a exactement la même forme physique que la créature que nous avions combattue à Dalian. Ça remonte à loin, au port de Dalian. Où cette fichue créature, on ne pouvait la tuer que par des pouvoirs spéciaux, en fait. Donc, c'est un peu. Contraignant, on va pas se mentir. Voilà. Du coup, hop, j'ai tué celui-là. Nickel. Donc j'ai un tout petit peu monté Shoshen de niveau pour qu'il soit pas trop à la traîne pour ce qui va suivre. Même si en général j'aime bien utiliser comment dire. J'aime bien utiliser les boss et tout pour monter vachement de niveau les personnages. Hop. Donc ça c'est impeccable. C'est merveilleux, c'est fantastique. Nickel! Parfait. Par contre, je vais changer. Hop. L'âme. Merde. Tac. Je vais remplacer Torofu par Amon. Hop. Voilà. Le son n'est pas très fort au niveau du jeu, j'ai l'impression. J'ai un peu monté le son. Voilà, c'est mieux, je pense. À mon avis, ça doit être même plus agréable pour vous. Alors, du coup, je vais essayer pendant ce combat de récupérer du coup l'aptitude spéciale ici. Ce serait bien, en vrai. Ah, j'aurais dû mettre. Non, c'est pas grave. Et du coup, j'ai regardé les statistiques des personnages et en fait, en termes magiques, clairement, Alice est au-dessus de tout le monde en fait. Si j'ai bien lu, Alice, c'est celle qui est la plus puissante en fait. Donc, je comprends un peu mieux pourquoi est-ce que je la gardais tout le temps auprès de moi. Et en fait, c'est elle qui est la plus puissante dans toute l'équipe. En termes magiques, hein, pas en termes physiques. En termes physiques, clairement, c'est Yuri qui est largement au-dessus. Après, hein, comme je vous l'ai déjà dit, Alice, c'est vraiment un personnage
pas overpété, mais tellement utile. Je veux dire, elle redonne de la vie à tout le monde, elle ressuscite, elle redonne de la vie à une personne, elle retire les anormalités de statut, elle... Enfin, franchement, en vrai... Qui ne l'utilise pas? Vraiment, en fait. C'est... Après, je pense que ça dépend de chacun. Moi, c'est vrai que je joue la plupart du temps extrêmement défensive sur beaucoup de jeux. J'ai beaucoup de mal à être très agressive, on va dire. Et du coup, c'est peut-être pour ça que je préfère jouer la sécurité avec Alice. Ok. Ça fait mal, je crois. Ah, raté. Pourquoi raté? D'accord. Bizarre. Tant mieux, hein. Je trouve ça un peu bizarre, c'est tout. Hop. Quelle heure il est? Il est 15h30, ok. Du coup, grand tonnerre. Du coup, elle va faire remède auprès de Shushen. Décidément. D'ailleurs, j'ai mis la petite cruche à notre ami Yuri, donc c'est pour ça qu'il diminue de 2 EM par tour. Mais c'est complètement normal, je vous rassure. Je pense que je vais faire un petit coup de arc. Hop là. Histoire de se mettre bien, quoi. Des choses qui arrivent. Hop. Du coup, je pense qu'à partir de là, je vais faire un cut parce qu'en fait, je vais faire défendre au niveau de tous mes personnages pour débloquer du coup la fusion de Yuri en le rendant fou en fait.
Voilà. Donc là, nous avons Yuri qui est devenu fou. Et là, il active son ultime pouvoir de Amon. Je pense que j'ai bien fait de cut parce que sinon vous auriez passé 5 longues minutes à juste regarder pour rien en fait. Et voilà, nous avons déverrouillé le pouvoir fin. Hop, nickel. Eh ben ça c'est parfait. Donc, maintenant que nous avons fait cela, on a déverrouillé du coup la zone 2. Alors, tac, je pense que je vais juste aller ici. Objet, est-ce qu'il me reste une tente utilisée? Non. Ça, c'est la tristesse. C'est quoi ça? Point de formation, donc ça, c'est pour reformer l'équipe si jamais besoin. Si jamais on en a besoin. Donc ça, c'est pour sauvegarder, hein, vous connaissez. D'ailleurs, nous allons sauvegarder maintenant. Hop. Tac. Donc là, on a 0. 0 PM. Alors il me semble, mais je suis vraiment pas sûre, je suis vraiment pas certaine de moi, que pour les PM, si vous les avez à 0 pile, je crois qu'il ne peut pas libérer son dernier sort. Il faut absolument qu'il y ait au moins un PM, sinon ça ne marche pas. Mais là encore, je suis vraiment pas sûre de moi, c'est à vérifier. Du coup, hop, adaptation spéciale, remède, hop, on va guérir un petit peu tout le monde. Voilà. Hop, tac tac tac, objet. Ouais, je vais juste le donner à lui. Hop, donc là, Amon, c'est fait. Hop, on va rester comme ça. Est-ce que là, il y a un... Non, il n'y a rien. Donc là, nous avons un petit coffre. Tu as reçu Sceau de l'Aura. Hop, là, on a un coffre ici. Tu as reçu billets de loterie. On en a une tonne maintenant des billets de loterie. On en a une dizaine. C'est ouf. Alors que dans la partie... En fait, quand vous êtes dans la partie 1, je vous conseille vraiment de tous les garder, mais précieusement, parce que vous en avez presque pile poil pour chaque loterie. Alors que quand on arrive à la partie 2, vous pouvez rater certaines loteries, c'est pas un problème. Je vais les attaquer jusqu'au bout et ensuite dès qu'il en reste un je me transformerai avec le robot et je ferai exactement la même chose que ce que j'ai fait avec comment s'appelle avec la précédente créature, c'est à dire que je vais déverrouiller le pouvoir ultime de la fusion numéro 3 de la Terre. Je sais pas si je suis claire, de l'obo quoi. Voilà. Donc là ça y est, on a Yuri qui est en fou avec Lobo et du coup j'ai appris frappe. Donc voilà, désolé, je l'ai fait un petit peu tard, mais en fait j'avais complètement oublié d'enregistrer ça. Alors, du coup, thé du divin, ok. Donc, du coup, pour Lobo, nous avons son pouvoir ultime. Du coup, on va âme. On va du coup remplacer par Egil ou Egil, je ne sais pas. Donc là, on libère la zone verte. On va retourner par ailleurs. Donc en fait, il y a plusieurs endroits qui sont scellés par une espèce comment dire, de grille électronique magique de couleurs. Donc il y a plusieurs couleurs différentes. Tac. Du coup je vais vous expliquer ça, donc je vais juste faire vite fait ce combat-là. Et en fait, hop, excusez-moi, je suis concentrée. Je fais deux choses en même temps. Et en fait, il va falloir qu'on trouve différents points à libérer pour déverrouiller du coup les différents endroits qui sont bloqués. Comme je viens de faire à l'instant où j'ai marché sur un truc et ça... Où il y avait un petit filament verdâtre de lumière, on va dire ça comme ça. Et du coup, en marchant dessus, on a libéré une petite zone qu'on a vue précédemment.
qui était juste ici. Donc là, on va pouvoir ouvrir ce coffre. Donc là je vais faire le même procédé que tout à l'heure mais avec Egil du coup plutôt qu'avec Lobo. Donc je vous retrouve tout de suite quand il est fou. Donc voilà, nous avons Yori qui est devenu fou avec Egil et on va déverrouiller Cri du Dragon. En soi ces sorts vous les avez déjà presque tous vus en fait puisque j'ai fait toutes les âmes fusionnelles. Mais au moins ça vous montre comment on les déverrouille quoi. Et surtout que je vous ai pas menti, hein, faut vraiment devenir fou pour débloquer ses pouvoirs. LOL. Hop. Du coup, on va changer d'âme. Transporter Yori, âme. Du coup, on va changer par celui du feu. Voilà. Run. Tu as reçu LP Manivelle. Ok, donc ça c'est un lance-pierre pour notre jeune Halley, mais on a déjà toutes les armes et toutes les armures ultimes, donc il n'y aura pas besoin de changer. Hop. Alors, du coup, je vais continuer sur la droite. En général, c'est ce que je fais, je commence toujours par la droite, on va dire. Scellé par une couleur bleutée. Donc on ira plus tard quand on aura trouvé du coup la zone bleutée à déverrouiller. Niveau 45, plus que 2 niveaux et il a son pouvoir ultime, c'est cool. Alors, on va aller du coup par là-bas. Boucle du guerrier, je crois que nous en avons déjà un. Ensuite, on va aller par ici. Là je vais en tuer un et du coup je vais vous montrer le pouvoir ultime de Foron.
spécial. Tac, donc là, à partir de là, on revient tout à l'heure pour que je vous montre l'ulti de Foron. Donc là, voilà, nous avons Yuri qui est de nouveau de Benufo, avec Foron cette fois. Je trouve que c'est clairement le pouvoir le plus stylisé, vraiment. Je trouve que les développeurs ont fait un très beau travail sur ce pouvoir-là, en tout cas. De base, j'aime beaucoup ce que les développeurs ont fait de ce jeu, hein, concrètement. Mais... Bon, bah ça c'est nickel. Hop. Alors, du coup, on va continuer par là. Alors, ici, est-ce que nous avons quelque chose? Non, apparemment, il n'y a rien. J'ai toujours trouvé ça étrange qu'il n'y ait rien ici, vraiment. Ah, une attaque arrière. D'ailleurs, je n'ai pas changé d'âme, il va falloir que je le fasse dans l'immédiat. Alors, tac. Hop, elle va soigner notre magicien. Alors, du coup, je vais changer d'âme. Foron. Donc, du coup, on va prendre celui du vent. C'est ravi. Hop. Parfait. Donc, là, on va continuer. Là, ici, on va déverrouiller la zone bleue. Du coup, qu'on a repéré tout à l'heure. Et ici, je vais récupérer un coffre. Hop, donc là je vais fusionner avec Seravi. Et du coup, comme d'habitude, on se retrouve tout de suite pour Seravi en mode folie. Donc voilà, donc là on a Seravi qui est devenue fou. Ou folle. Étant donné qu'elle a des seins et ce qui semblerait être un attribut féminin. Ceci est très étrange. Parachoc. Nickel! Donc ça c'est parfait. Hop. Du coup, il nous reste la lumière également. Transporter âme. Sandalphone. Ou Sandalphone. Je sais pas comment on prononce. Alors, tu as reçu saut de vitalité. Alors, du coup, on va passer par là. Ce sont des choses qui arrivent. Du coup, hop, je vais fusionner avec Sandalphone. Ou Sandalphone. Peu importe comment vous le prononcez. Tac. Et du coup, on se retrouve pour quand il va devenir fou. Donc voilà, nous avons Sandalphone qui devient rouge. On a déjà vu ce pouvoir plusieurs fois. Mais bon, ça ressort pas du tout. Donc voilà, nous avons appris Pou. Hop, nickel chrome. Donc ça c'est parfait. Du coup, nous revenons de là-bas, donc je vais, du coup, retourner par là.
car normalement nous avons déverrouillé la zone bleue. Ah, deux nouvelles créatures. Tac. Ok, parfait. Alors, du coup... ouais, on va attaquer comme ça. Nickel. Niveau 46. Je crois que Shushen récupère son pouvoir ultime au niveau 47. J'en suis pas sûre et certaine, mais il me semble que c'est ça. Du coup, on va retourner ici. Hop, voilà. Donc là, nous avons deux coffres. Bâton du sage. Donc ça, c'est pour Shushen. Mais bon, comme vous savez, on a déjà tout récupéré ce qu'il faut. Manteau d'argent. Je crois que ça, c'est pour Alice. J'en suis pas sûre, mais il me semble que c'est pour Alice. En même temps, là, vous devez vous demander, mais pourquoi est-ce qu'elle va faire tous les coffres? Mais c'est en fait pour vous montrer le maximum du jeu, en fait. Bon, 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 bon. Hop. En même temps, l'anneau est très serré, en vrai. Alors, du coup, on va retourner par là. Je crois que là où j'ai tout fait, du coup, il me reste plus qu'ici. Donc là, on va aller à droite. Hop. Donc là, on a deux coffres. Attaque arrière, j'ai pas de chance. Du coup, hop. Oh, la nulle. Je suis désolée. Je suis nulle, mais... n'importe quoi. Comment je me suis fail? La nullité. Oh là là. Je vous prie vraiment de m'excuser. Vraiment, là, c'est... j'étais grave nulle. Alors, boucle du moine. Ça, c'est cool. Du coup, on en a un troisième. Manteau en caoutchouc. Donc ça, c'est pour Margaret, je crois. Transporter Yuri... ça je vais garder, ça je vais retirer. C'est vrai que j'aurais pu le retirer avant en fait, je suis un peu stupide.
Et du coup, on va le remplacer par la boucle du moine. Voilà. Comme ça, tous les persos auront plus 20% d'XP. Ensuite, on va continuer par là. Hop. Et nous arrivons proche d'une créature qui m'a l'air tout à fait sainte. Lol. On va déjà détruire ces choses. Voilà. Insectes mi-arbre. Concrètement, je ne sais pas à quoi ressemble et à quoi est censée ressembler cette créature. On dirait qu'elle a les fesses d'un cafard, les bras d'un arbre et les... Je ne sais pas, je ne comprends pas cette créature pour ainsi dire. Je suis désolée. Alors, du coup, tac, on va juste... remède, pim. Voilà. Histoire qu'on soit un petit peu tous à fond. Objet. Est-ce que j'ai des PM à redonner? Ouais, non, ça va, en vrai ça va. J'ai un extrait de pur. Est-ce que j'ai autre chose? PM et EM max, ok. Ça marche. Je vais juste regarder ça. Bon, et ben on va pouvoir lancer ce combat. Non, c'est nul. Oh merde. Putain, j'aurais dû le prévoir. Bon, c'est pas grave. Du coup, je vais prendre Amon. Ah, oh, je suis dégoûtée. Je voulais vous montrer pour ce boss-là. J'ai pas changé les âmes. Je suis désolée. Bah, du coup, ce sera pour la vidéo prochaine. C'est pas trop grave. Ah, oh, je suis vraiment confuse. J'ai très très mal géré mon tir. C'est vraiment ma faute. Hop. Zone invisible. Je pense que ça devrait aller. Hein. On va pas se mentir. Ça fait un petit moment que je suis en zone invisible pour Yuri, donc... on s'en fout. Donc là, on est sur le boss de la fin de la deuxième partie du donjon Néaméto, du coup. Histoire de vous tenir au courant. Ça, je pense que j'en parlerai après le combat, du coup. Je voulais vous dire un truc, mais je pense que je vais attendre la fin du combat pour ça. Aïe. Aïe. Bon, ça va. Ça va. Il faut juste que je redonne DPM, DEM à Yuri pour qu'il devienne. Du coup. Objet. Tac, tac. EM max. Tiens, mon grand. Mange ça. Voilà, comme ça on est bénard. Et elle va faire un petit coup de remède à Shushen. Voilà.
Elle est merveilleuse, cette jeune fille. Je l'aime beaucoup. Hop. Alors, avènement. Du coup, le crucifix semble protéger contre les anomalités de l'anneau du jugement. Ça semble être le cas, donc c'est cool. Parce que là, Yuri n'a pas de crucifix. Hein. Donc, heureusement que cette créature n'inflige pas la mort, parce que je serais morte depuis longtemps. Shushen peut très bien se soigner tout seul. Donc là, on est assez proche de la fin. On est assez proche de la fin. Là, on est sur avant-dernier boss. Je crois que c'est... Ouais, je crois que c'est plus ou moins correct ce que je viens de dire. Parfait. Parfait, parfait. Et nous avons Flamme de Fudo. Voilà. Donc, bon, normalement, vous l'avez déjà vu quand j'ai fait la fosse, puisque c'est le dernier pouvoir que j'ai utilisé. Mais voilà, voilà. Donc, du coup, je vais sauvegarder là-dessus. Donc moi, je vais vous laisser pour cette vidéo. Et je vais vous demander pour la prochaine vidéo, en fait, qui est-ce que vous voulez qui soit avec Yuri et Alice. Est-ce que vous voulez que ce soit Shushen? Est-ce que vous voulez que ce soit Margaret? Est-ce que vous voulez que ce soit Kiss? Ou est-ce que vous voulez que ce soit Halley qui accompagne nos deux héros pour la fin, pour le combat final? Vous pouvez choisir n'importe desquels champions parce que, enfin, je veux dire, je les ai tous montés pour qu'ils aient leur pouvoir suprême. Donc voilà, dites-moi en commentaire quel personnage vous voulez pour la fin qui accompagnera Yuri et Alice. Et du coup, bah, je prendrai ce personnage-là pour aider à combattre avec mes deux héros préférés. Donc voilà, du coup, donc on a plutôt bien continué Neameton. Je vous ai montré un maximum d'objets qu'on peut récupérer jusque-là. Je préfère un peu tout vous montrer parce que au moins... vous savez quel type d'objet on récupère sur Neameton. Sur Neameton en fait, même je crois que ça se prononce I. Donc voilà, du coup bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On est très très proche de la fin. Je pense que la prochaine vidéo c'est vraiment celle de la fin. C'est pour ça que je vous fais cette demande maintenant de savoir qui je vais prendre avec Alice et Yuri. Donc n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et puis du coup bah, moi je ferai le combat final avec ce personnage. Donc voilà, du coup bah, moi je vous fais à tous des gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour sans nul doute la fin du jeu en fait. En tout cas on croise les doigts. Des bisous.